Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et aujourd'hui, après vous avoir parlé de, des trois premiers X-Men, X-Men 1 qui est un classique, le 2 est un chef-d'œuvre, le 3 c'est une catastrophe, X-Men First Class magnifique, un chef-d'œuvre. Du coup, j'allais vous parler pour moi, on peut le dire, pour moi du troisième chef-d'œuvre de la saga X-Men troisième chef de la saga X-Men qui est X-Men Day of Future Past. Alors X-Men Day of Future Past à la base c'est un bouquin, une de mes histoires préférées. En fait c'est une histoire courte mais qui a cartonné, qui est un chef d'œuvre pour le public, la presse. Et en fait ça raconte l'histoire de Kitty Pryde qui est le passe-muraille des X-Men et qui, comment vous expliquez ça, qui a la capacité de traverser la matière. Et en fait ils sont dans un futur apocalyptique parce qu'il y a un scientifique qui s'appelle Bolivar Trask qui a décidé d'anéantir tous les mutants, un peu à l'image de ce qu'on a pu voir, ce qui a vraiment arrivé dans l'histoire malheureusement avec les Indiens d'Amérique, les Juifs, dans certains pays du monde où on essaie d'exterminer les Rohingyas par exemple, qui sont en Birmanie, qui sont des minorités musulmanes en Birmanie, les Ouïghours en Chine aussi qui sont musulmans, et voilà. Et c'est comme si un mec un jour demain il se dit j'ai trouvé un plan scientifique pour tuer tout le monde. Et en fait, en plus son plan n'était pas génial parce que non seulement il a donné beaucoup de pouvoir aux sentinelles qui sont devenus une intelligence artificielle qui ont tué, non seulement ils ont tué les mutants mais ils ont aussi détruit toute l'humanité parce que en fait ils vivent dans un monde où en fait il n'y a pratiquement plus d'humains et qui risque de ne plus avoir de mutants. Et Kitty Pryde dans les bouquins revient pour rencontrer les X-Men pour empêcher ce futur post-apocalyptique qui est très bien fait dans la série X-Men 90 et dans X-Men Day of Future, Wolverine and the X-Men, qui est une autre série animée qui est géniale. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et voilà, le film est un chef-d'œuvre aussi. La différence, c'est qu'il y a le personnage de Kitty, mais c'est Wolverine qui retourne dans le passé pour empêcher que ça ne se produise. Du coup, je vous parlais d'une de mes scènes préférées du film. Comment vous dire ça? Alors, attendez. J'aime beaucoup la scène où on voit justement. Ça permet de parler du personnage de Quicksilver, que vous avez pu voir aussi dans Avengers, l'ère d'Ultron. Sachant qu'aussi, il y a. Comment vous expliquer ça? Il y a une anecdote assez intéressante, c'est-à-dire que vu que la Fox avait utilisé Quicksilver en premier, Marvel pouvait l'utiliser mais que sur un film, donc ils ont décidé de le tuer, ce qui était un peu con pour le coup, mais ils ont décidé de le tuer. Je pouvais l'utiliser qu'une seule fois s'il mourait, je crois que c'était ça la clause dans Avengers l'ère d'Ultron. C'est pour ça qu'on le voit mourir malheureusement. Et voilà, et en plus je préférais plus le Quicksilver de Avengers 2 que de X-Men Day of Future Past. Mais après voilà, j'aime beaucoup, surtout par rapport à cette scène. Il est très rapide, il est cool, il représente très bien Quicksilver dans les comics, mais je préfère la version plus classique du personnage avec le costume qui fasse partie des Avengers que celui qui fait partie des X-Men. Mais après, voilà, les deux interprétations sont bonnes et c'est surtout très bien exploité dans la saga X-Men avec X-Men Day of Future Past, Apocalypse où le personnage est plus approfondi avec une scène encore plus spectaculaire. Et après dans Dark Phoenix c'est un peu moins bien mais globalement le personnage était bien fait dans la saga X-Men, donc je vous laisse profiter de cette scène qui est juste magnifique. J'aime beaucoup cette scène, je la trouve magnifique, c'est très bien fait, très bien. Magnifique. Et... Ah, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est juste. Voilà, en plus, quand on rentre, on a presque les meilleurs X-Men avec Wolverine, Magneto, le Professeur X, Quicksilver. Bon, et les autres, il y a Cyclope, Jean Grey, Tornade, Wolverine, Gambit, et le Fauve et plein d'autres. Mais on a quand même une équipe. Bien cool, bien badass, et c'est un peu dommage que Quicksilver soit pas resté un peu plus dans le film, même si le personnage était vraiment cool et vraiment intéressant.
Il y a une autre scène que j'aime beaucoup, c'est quand en fait Wolverine voilà, il se bat avec Magneto, sachant que, comme vous expliquez ça, en fait dans les comics, Magneto enlève les pouvoirs de, comment vous expliquez ça, de Wolverine. Alors, pas le pouvoir, il enlève l'adamantium qu'il y a dans son corps. Et là, en fait, si vous voulez, le combat était un peu équilibré dans le sens où Wolverine n'avait pas de métal dans le corps. Parce que dans les autres films, en fait, Magneto pouvait contrôler Wolverine du fait qu'il ait de l'adamantium dans le corps. Là, il n'en avait pas. Donc, du coup, ça rendait le combat plus équilibré. Et voilà, en plus, on voyait les Sentinelles qui étaient super bien faits dans X-Men Day of Future Past. Donc, voilà, ça fait partie d'un de mes X-Men préférés. Surtout que, en fait, ce film, là où c'est cool, c'est que non seulement c'est un chef-d'œuvre, mais en plus, il tease X-Men Apocalypse. Et voilà, après c'est une autre histoire, mais voilà, X-Men Day of Future Past, ça fait partie de, à la fois de mes histoires préférées en bouquin de X-Men, avec Apocalypse, House of X, Power of X, il y a quoi d'autre encore qui est cool, Ashling X-Men, et voilà, plein d'autres trucs, Avengers versus X-Men qui est vraiment bien, là j'aime beaucoup quand Wolverine affronte Magneto. Et après, ce salopard, il va lui enfoncer la ferraille dans le corps. Qu'est-ce que ça fait mal? Oh là là là, cette scène, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Ah là là, ça fait trop trop mal. Ah là, il n'en peut plus. Là. La douleur, elle doit être horrible. Et après, ce salopard, il dit quoi, Magneto? Il dit, ah, t'es un survivant. Essaie de survivre à ça. Et il l'envoie dans l'eau, parce qu'ils ont une conversation dans l'avion. Et on voit Wolverine qui dit, moi, je suis un survivant. Et Magneto, il dit, ah, t'es un survivant. C'est de survivre à ça. Et cet enfoiré, en plus qu'il lui a envoyé tout le métal, il va l'envoyer dans l'eau. Qui est un des. Voilà, Magneto, c'est un des personnages les plus puissants d'X-Men. Il est juste incroyable. C'est vraiment un des méchants les plus redoutables à la fois d'X-Men et de Marvel. Pour moi, c'est l'un des ennemis les plus puissants. Et voilà, en plus, cette scène, elle est horrible parce qu'on le voit au fond de l'eau et tout. Juste voilà, magnifique. On voit la souffrance parce qu'il est en train de. Souvent en train de mourir noyé, donc c'est vraiment très réussi. Il y a une autre scène que je voulais vous montrer qui est incroyable, que j'ai kiffé, c'est la scène où Magneto prend le stadium et le ramène. Alors attendez, ça va venir, tac tac tac. C'est la scène qui va pas tarder à venir. Je voulais dire quoi, je voulais juste aussi en profiter. Justement, ce que j'aime dans cette saga, c'est que X-Men Day of Future Past, en fait, on voit ce qui s'est passé dans le futur et on revient dans le passé pour changer les choses, sachant que dans la vraie vie, on peut pas faire ça. Donc là dans cette scène, voilà, on voit toute la puissance de Magneto, une des meilleures scènes de la saga X-Men d'ailleurs, parce qu'elle est juste incroyable. Et tout ça pour vous dire que. Au lieu d'attendre le futur pour changer les choses, essayez de les changer maintenant. Et c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire sur les listes électorales avant le 4 mars, parce qu'après il sera trop tard. Donc je vous invite à le faire. Comme ça, on n'aura pas les 4 cabinets de l'apocalypse. Zemmour, Le Pen, Macron et Pécresse. Bon, Pécresse, on peut l'enlever. Mais là, entre le quatuor, le trio de tête, on va dire ça comme ça. Donc moi, je sais pour qui je veux voter, je vous dirai pas. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire, inscrivez-vous. Parce qu'on ne doit pas voter pour ces gens. On doit leur montrer que notre vie, notre pouvoir nous appartient. Voilà. Et je trouve que la saga X-Men fait très bien écho à ça. Sachant que j'ai autre chose à dire aussi. Dans le film, on a à la fois James McAvoy qui joue le professeur Charles Xavier, Michael Fassbender qui joue Magneto et qui hérite de Sir Ian McKellen qui joue Magneto. Et Michael Fassbender est vraiment son héritier parce que les deux sont deux Magneto impérial et comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, et Patrick Stewart qui est un excellent professeur Charles Xavier avec James McAvoy aussi qui est juste phénoménal dans le rôle. Donc et en plus ils font pas un caméo, donc je trouve que la passation à travers ce film, parce que c'est un préquel de la saga X-Men originale, c'est très 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 réussi. Vraiment c'est très 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 réussi, très très bien écrit, très bien fait. Donc vraiment c'est un très très bon film, en plus il y a les Sentinelles, et puis ça nous donne une leçon d'histoire sur l'histoire que l'on veut, parce que on a vu des génocides en Amérique du Sud, il y a 150 millions de peaux rouges ou d'indigènes qui sont morts, il y a les aborigènes, il y en avait 17 millions qui sont morts aussi,
Il y a les Juifs, il y a eu peut-être 3 ou 6 millions de Juifs qui ont été exterminés. Donc ça doit nous laisser une leçon d'histoire pour éviter, parce que ça existe encore, malheureusement, avec les Rohingyas en Birmanie, qui sont des musulmans, qui vivent un génocide, les Ouïghours musulmans en Chine, et dans l'époque dans laquelle on joue, qui existe aujourd'hui, on ne devrait pas, comment vous dire ça, laisser exister ça. Et voilà, moi je trouve que c'est très important. Et après, je vais terminer en vous montrant ma scène préférée du film, qui est vraiment une de mes scènes préférées. Parce qu'on voit, je trouve, un magnéto qui se fourvoie dans... Comment vous expliquez ça ? Dans sa manière de faire les choses, même si je comprends, parce qu'il lutte pour à la fois la suprématie des mutants et les sauver. Donc je comprends son combat, un peu à la Malcolm X, qui était là pour se battre pour la justice pour les Noirs, et qui expliquait que si les Blancs n'acceptent pas les Noirs, et ben nous on se battra avec, ben avec nos armes, c'est-à-dire le savoir, la sagesse, l'instruction. Et voilà, on choisit pas l'épée mais la plume, et si vous voulez nous combattre, et ben on prendra l'épée s'il le faut. Et j'aime beaucoup cette façon moins pacifique de défendre les choses, mais tout aussi honorable. Voilà. Parce que moi je comprends les hommes qui se battent pour leurs convictions et pour leurs droits, c'est ce que faisait Malcolm X, et c'est ce qui faisait que c'était un homme extrêmement brillant et intelligent et phénoménal. Et même si j'admire le pacifisme de Martin Luther King, et qui quand on regarde les deux visions à l'image du film de comment on appelle ça, de Magneto et du professeur Xavier, on sent qu'au bout du compte, il ne manque pas grand chose pour que les deux soient d'accord. Ça, cette scène est très émouvante, parce qu'en fait, on voit pendant ce temps-là, dans le futur, que les mutants du futur meurent. Donc on a Blink, qui est un de mes personnages préférés des X-Men d'ailleurs, où elle est capable de créer des... Je sais pas comment dire ça, des portails pour se téléporter d'un endroit à un autre. Et elle est très forte aussi au combat. On a un personnage de Wave que vous avez vu mourir, qui est une sorte de télépathe. On a Sunspot qui est là, qui balance du feu et qui finit par se faire tuer, qui est un de mes personnages que j'aime beaucoup aussi. On a Colossus, mais Colossus vous avez pu le voir mourir. Il y avait Alibéry qui est morte, qui est Tornade qui meurt, il y a Bishop aussi. Tout le monde meurt, et en fait on voit que, comment il s'appelle, que le personnage de Magneto, voilà, il parle en disant aux mutants, arrêtez de vous cacher, vous êtes des gens libres, et on est là pour se battre pour nos libertés. Et voilà, vous voyez le personnage de Blink qui fait voilà, qui est un de mes personnages préférés. En plus, j'ai fait un cadeau à ma cousine qui s'appelle Shinese, et donc je te fais un gros bisou, Chachou. Donc voilà, je t'ai donné mon personnage préféré, d'X-Men d'ailleurs. Et non, franchement, voilà, le film est juste magnifique, le speech est incroyable. Je trouve cette scène magnifique et bouleversante. Et justement, on voit que j'ai beaucoup aimé ce moment touchant où justement Magneto et le professeur décident de dire, après tout ce qui s'est passé, il faut que voilà, on soit du même côté. Donc je trouve ça très émouvant, très touchant. Et puis voilà, on voit que le personnage de Mystique empêche tout ça. Mais voilà, c'est une belle histoire qui nous prouve que ensemble on peut changer les choses. Bien, on peut vivre ensemble, peu importe nos différences, nos couleurs de peau, nos religions. Ça a existé depuis tout temps, depuis 2000 ans, 3000 ans, le monde s'adapte par rapport à l'immigration, qui s'adapte par rapport à l'endroit où elle vit, où elle change. Le monde n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Voilà. Et sous ce discours un peu universaliste, et ben voilà, on doit défendre ce qui nous semble le plus juste. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, la partager et inscrivez-vous sur une liste électorale, c'est très important. X-Men Day of Future Past, c'est mon chef-d'œuvre. Un jour je ferai un classement d'X-Men, mais je mettrai Day of Future Past, First Class et X-Men 2 et X-Men 1 et après Logan dans l'un des trucs de cette saga-là. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et de la partager. Et voilà, si je voulais que je continue un peu plus sur cette saga, je vais voir si je parle d'Apocalypse après. C'est pas impossible non plus. Donc voilà, on verra bien. Allez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.